Recueillir les attentes de la population des sites Kivu et identifier leurs besoins ainsi que leur perception sur la personne du candidat président de la République, Emmanuel Ramazani Shadary, afin d'élargir son assiette électorale pour les élections prévues le 23 décembre 2018 en RD Congo. C'est l'objectif d'une mission de travail au site Kivu de Bienvenue Munyasubi, autorité morale et président fondateur de la synergie des organisations progressistes du Congo, SINORP ainsi. Durant 2 mois d'émission, cette personnalité a eu à contacter différentes couches de la population du site Kivu. Lors de cette mission, la ville comme Bukavu, les territoires comme Ijwi, Walungu, Mwenga, Kabare ont été visités. Arrivé à Bukavu, le premier jour a été consacré à la ronde des bureaux des autorités provinciales, mais aussi prendre contact avec certaines organisations membres qui œuvrent dans le secteur développement en province. Tout cela dans le but de palper du doigt certains problèmes et besoins prioritaires de l'action en termes d'infrastructures et besoins essentiels, que ce soit des travaux de construction de la voirie, aujourd'hui en état délabrement avancé. De problèmes plus complexes touchent des communes entières telles que Kadutu, Ibanda, Bagira et Tietera. À titre d'exemple, à Kadutu, certains habitants qui se trouvent vers Nkafu veulent bien voir la matérialisation de la lutte contre l'érosion qui menace la seule institution technique de Bukavu, l'IFM, qui aujourd'hui semble être de plus en plus dans un état critique. En image, nous vous invitons à découvrir ce qu'a été ces 2 mois de travail au site Kivu, où plus de 20 000 ménages ont été sensibilisés à adhérer au programme du candidat président Emmanuel Ramazani Shadary, où 20 000 fiches ont été distribuées et bon nombre d'entre toutes ces personnes ont eu à adhérer et à signer pour tout simplement donner de l'aile à cette candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary.